Salut, c'est Shunji et moi ici pour le 31e épisode de MMC. Alors voilà, je me mets ici et je me dis, bon, on va voir si le robot a décidé de travailler aujourd'hui. Mais en fait, le problème c'est que le robot il a disparu. Ce qui m'inquiète en soi, je sais pas où il est parti. Petit robot, si je dis signal, là t'es censé revenir à la station. Dis-moi que t'es pas parti. Dis-moi que je vais rien voir revenir. Sinon c'est mal parti. Mais s'il est parti quelque part, c'est-à-dire qu'il est parti miner des blocs de dirt. Là je reviens de mon colisée, et ben, je peux vous assurer que mon colisée, ben, il était comme il était avant, en tout cas il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Donc s'il est parti miner de la dirt, je ne sais pas où il est parti faire ça. Et il a trouvé la dirt à un endroit où il ne devait surtout pas. Bon, soit, tant pis. Donc dans cet épisode-ci, je vais finir mon colisée. Je vais arrêter de jouer avec des machines et tout ça. Je compte le finir une fois pour toutes, donc je vais vous laisser en caméra le plaisir de regarder la petite construction et je vous dis c'est salut et à tout de suite. C'est bizarre comme phrase. Vous avez pu le constater hors caméra, j'ai un petit peu mongolisé sur cette structure, c'est-à-dire tout simplement qu'en ayant la caméra derrière moi et ne sachant pas quel type de pattern j'allais faire, j'ai pris du temps à construire et finalement je suis pas arrivé au résultat que j'ai obtenu ici actuellement. Il vaut mieux que je le fasse le tout, le cercle, le contour, les bords extérieurs différemment, enfin différemment, c'est-à-dire hors caméra, tout simplement parce que ça me prend du temps de réfléchir à quel bloc je vais poser où et pourquoi et comment. Pour obtenir un résultat tel que celui-ci. Bah voilà. J'ai rien d'autre à rajouter, c'est juste pour vous informer que là je continue à faire tout le contour hors caméra, comme ça je peux réfléchir à chacun des patterns que je vais placer et que je dois de toute façon de recopier de l'autre côté. Ça prend du temps à réfléchir, j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de me dépêcher trop vite avec les caméras à mon cul et me dire après, oh ouais, j'ai été trop rapide et le résultat est trop bof. Donc à la limite, là j'ai essayé de faire le tour une fois, enfin, au moins le quart de mon colisée, voir si le quart est correct, et si le quart est correct, le continuer pour faire tout le reste. Si le quart n'est pas correct, ben,
Je vais le modifier et tout recommencer depuis zéro. Enfin, tout modifier. Me réamuser dessus, me réamuser sur la structure. Et ces items pouvaient arrêter de looter dans tous les sens autour de moi. Et voilà, après plus ou moins 1 heure de construction, j'ai fait le premier quart de mon colisée. Je trouve ça plutôt pas trop mal pour un début. Quitte à voir ce que je pourrais modifier. Alors ici déjà, enfin j'ai un petit peu modifié la structure. Fifou que c'est passé est passé par là et m'a donné un petit peu de conseils. J'ai fait une façade un peu plus soutenue, plus colorée, un peu plus comme ici. Enfin un peu plus avec des sandstone scribble. Et ben, j'ai modifié un petit peu au fur et à mesure selon ses conseils. Et après j'ai appliqué le pattern tout le long pour arriver à cela. Bon, finalement le rendu est vraiment pas mal, j'aime plutôt bien. Alors la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je dois apporter encore des modifications sur cette façade? Par exemple, là, j'hésite, est-ce que je dois remonter tout le long du mur avec des walls pour voir si ça le fait bien ou pas? Et le faire à chaque fois que c'est un petit renfoncement. Alors là, je sais pas si vous m'entendez, je suis complètement enrhumé, malade, je sais pas ce que j'ai, un petit peu grippeux. Bon, voilà, soit. Tout ça pour vous dire que j'ai fait le premier quart. Je vais certainement appliquer tout le pattern tout autour parce que je le trouve plutôt pas mal. Et je vais voir si j'applique des modifications au niveau du pattern ou pas, ou si je le conserve comme il est actuellement. Et voilà, mon colisée est fini, mais cette fois-ci uni, enfin totalement de l'extérieur, aussi bien de l'extérieur intérieur que de l'extérieur extérieur. Donc voilà, je vais faire un petit passage, mais vous allez voir rapidement les similitudes, vu qu'en réalité à chaque fois ce sont les mêmes façades que j'ai mises de tous les côtés. Mais bon, je trouve que ça mérite au moins d'être vu une fois, bon, déjà vu le temps que j'y ai passé à le faire. Vous voyez aussi que je passe fort près ici. Je dois un petit peu, à mon avis, raser les montagnes. Je sais pas encore comment je vais faire mon compte. Déjà que j'ai rasé pas mal de choses ici derrière. Et qu'il y a plus grand chose qui ressemble à grand chose. Et je pense que je suis plus reposé de courir depuis un petit moment en plus. Soit. Voilà, un petit peu de déco au moins. Tout ça pour vous dire que j'ai enfin donc réussi à finir mon colisée. Et je vais donc pouvoir enfin me re-relancer dans les mods. Même si au final c'est un peu du mod ça. Vu que c'est du chisel et du forge microbloc au final. Mais bon, soit. Autrement dit, je vais commencer à faire l'icanite, un mode qui me fait fort souffre, qui m'a fort fait souffrir ces derniers temps, vu qu'il pop et qu'il m'a attaqué pendant tout le colisée et tout ça. Soit, tout ça pour vous dire que cette fois-ci, c'est parti. Donc, apparemment, si j'ai bien compris, pour capturer les mobs, il faut le soul gazer. Alors, le soul gazer, bah, il va me permettre tout simplement de capturer les monstres. Si je clique normalement dessus, ça devrait aller. On va le voir, le rajouter dans le bestiaire du moins. Voilà, already. Donc, si maintenant je regarde, pleine créature, j'ai les rocs qui existent. Parfait, merci mon ami. Maintenant, je vais partir à la recherche. Et je pense que je vais faire. Ouais, je sais comment je vais me débrouiller. Bon, comme vous avez pu voir en image, j'ai rencontré pas mal de monstres sur mon chemin. Et j'ai donc capturé, enfin capturé, j'ai donc mis dans mon bestiaire plusieurs monstres. Alors là, sous vos yeux ébahis, je viens de crafter le Summoning Staff. Alors, pour commencer, tous les monstres que j'ai rencontrés se retrouvent ici dans ma petite liste. Il y en a un petit paquet déjà, c'est déjà pas mal, je suis assez content de moi, soit. Maintenant, après, ici, j'ai pu voir que j'avais 5 minions managers. Donc en fait, 5 minions que je peux manager, c'est-à-dire que je peux utiliser à moi, que je peux utiliser pour moi. Et alors pour ça, il faut apprendre à utiliser le Summoning Staff. Alors le Summoning Staff, ici. Si tu veux bien éviter de laguer maintenant. Je peux... Waouh, j'ai des coups de lag là tout d'un coup.
Bon, voilà, excusez-moi, je pense avoir enfin su fixer mon problème d'FPS, soit. Donc, comme vous pouvez voir ici au-dessus de ma barre de fin, j'ai des yeux verts. En fait, c'est ce que va consommer normalement mon staff quand je voudrais invoquer mes minions. Alors maintenant, on va aller ici, on va gérer les minions. Je veux un celui-là. Je veux qu'il me follow et tout ça. Donc, sinon, je clique ici. Hop là! J'ai invoqué mon petit minion. Et normalement, il est censé me suivre. Pas mal, c'est parfait. Alors, la question que je me pose maintenant, c'est si toi, je te change en Zingu par exemple, et que je. Voilà, celui-là ne m'appartient plus apparemment. Si, si, il m'appartient toujours. Aïe. Et si je lâche, voilà, un Zingu vient d'apparaître. C'est génial. Du coup, je peux plus ou moins maintenant utiliser tous les monstres que je veux. Ils me suivent tous. Ça me fait un petit peu peur comme ça. Soit. Du coup, voilà, j'ai obtenu ce que je voulais. Hop. Ah, et je crée un portal de cette manière-là. Ok, et maintenant, si je veux... PVP, yes. Alors, la question que je me pose maintenant, c'est comment je peux faire pour les faire disparaître. Parce que c'est bien joli, mais... Ah, il a des pop. Ah, c'est pas constant le bazar? Je peux toujours pas les tuer, ça c'est déjà une chose à savoir. Et ils dépop, voilà, ils dépop sans raison, tout comme on l'a vu. Il y a un temps de présence des monstres, donc du coup, je peux déjà pas faire mon bestiaire avec eux. C'est donc plus ou moins un échec, ça. C'est même plus ou moins un gros échec. Oh. Donc du coup, Circling Knick, on pourrait pas faire de zoo avec. Il y a peut-être une autre manière de les capturer. Mais je pense pas qu'on puisse déjà capturer un creeper de base. Si, peut-être. Leur donnant un nom. Il faut que je réfléchisse au système que je peux faire pour leur donner un nom et les placer dans mon bâtiment. Et scène numéro 2. On va appeler le petit monstre Roger. Pourquoi? Ben parce que Roger, je l'aime bien. Donc voilà, je trouve que c'est une raison suffisante déjà. Donc on va dans mon bestiaire mignon. Ici, voilà. Et apparemment, déjà, je sais même pas comment on l'utilise pour faire invoquer les autres créatures. Hein. Pour le moment, j'arrive à faire invoquer qu'une seule créature et c'est la première. Alors, dans Skylus, non, on va faire venir un Spriggan, un Dwello, un Cinder, un Bolt, un Ent. Un Spriggan, un Manticore, un Spriggan, ça ira bien. Je ne sais plus c'est lequel, donc du coup... Non, pas Spriggan en fait. Une zoture, voilà, je fais une zoture. Ok. Alors ici, je fixe le portail, il n'y a pas de souci. Hop. Tu pop. Là, j'invoque déjà deux zotures. Alors, Shunchi zoture, Shunchi zoture. Alors, si je fais ici avec un clic, j'obtiens Roger zoture. Donc du coup, si Shunchi Roger zoture me veut bien me suivre... Pour le temps que certainement ton confrère va dépop d'ici un moment, je peux accéder à cette interface. Je peux déjà te rajouter une Diamond Cell. Alors, je peux toujours pas te monter, toi, j'imagine. Non. Sitting, yes. Et là, il est assis. Ok. Donc, il bouge pas. C'est-à-dire, ça, sitting, en fait. Ok, bon. On va faire follow. Passive mode, yes. Agressif, défensif. PPP, no. Donc, maintenant, tu vas me suivre, mon petit gros. Alors, non, d'ici peu, l'un des deux va dépop. Je ne sais pas lequel en premier. Allez, viens, mon petit. Ah, ennemi de range? Non. Alors, il me suit toujours. Ah, voilà. Ils ont tous les deux dépopé. Et il m'a rendu ma selle. Il n'a pas rendu mon name tag. Donc, du coup, de cette manière-là, c'est impossible de d'en garder un. Par le biais d'une invocation, donc. Mais si je prends cette fois-ci un autre name tag, que je viens ici, hop là. Prochain, je vais appeler Proteus, tiens. Proteus. Proteus, quoi. Hop. Et que je vais donc chercher un autre mob nulle part, enfin quelque part. Celui-ci devrait garder son existence, comme les creepers, grosso modo quoi. Enfin, comme si je mettais ça sur un creeper ou autre chose. On va quand même le mettre sur un mob utile, plus qu'un poisson quoi.
Y a pas un petit monstre dans les avions? Pour une fois que je demande un monstre, il y en a aucun qui pop quoi. Alors sinon, dans tous les cas, il y en aurait 36 000, mais là. Mais c'est vraiment le moment où vous cherchez le mob qui un mob qui n'y en aura pas quoi. Par contre, sinon, pendant tout le reste de la journée, vous allez vous faire harceler et agresser pendant des moments avec des monstres, des monstres. Non mais sérieusement, il n'y a pas moyen que j'en trouve un? Je suis obligé de faire une éclipse pour chercher un mob? Apparemment, ouais. Il suffit que je coupe mon micro 2 secondes pour bien. Coupe mon micro, que je coupe l'enregistrement 2 secondes pour trouver un mob. Donc, tac. Maintenant, toi, t'es plus censé te déconnecter. Mais pour autant, je ne peux pas. Ah, tu ne m'agresses plus? Ah, si, tu m'agresses toujours. Mais tu m'agresses toujours. Donc, peut-être que si je prends une Pokéball que je le mets, il devrait plus dépop. Donc, je me souviens de ton positionnement. Je te laisse là. Je vais vaquer à mes occupations. Si dans 1 heure, t'es toujours là et que tu t'appelles toujours Protus, je suis content. Bon, voilà, j'ai encore un petit peu progressé. J'ai donc un petit peu amélioré mon colisée. Et j'ai vérifié si le name tag que j'ai mis sur l'animal était toujours présent ou pas après un certain laps de temps. Il était toujours présent, il n'a l'air pas de dépop. En tout cas, s'il dépop, c'est sur une longueur beaucoup plus importante. Donc, on va quand même tenter sa chance avec ceci. Donc, là, j'ai capturé 3 animaux. Alors, une grue, donc Shadow. J'ai capturé un Ent et un Spriggan. Alors là, je vais enfermer pour le moment dans mon colisée le Spriggan et l'Ent. Alors l'Ent, comment on va lui nommer? Ben, je vais lui donner des noms stupides. Oui, c'est des noms, là, je vais juste renommer en fait. Je vais l'appeler Micrococus. Micrococus. Alors, je me demande s'il n'y a pas de S à Cocus. Ou c'est un S? Soit. Je sais pas pourquoi, enfin, je vais leur donner des noms de bactéries. Et l'autre, je vais appeler Klebsilia. Hop là. Avec de LA, voilà. Klebsilia. J'arrive même pas à le dire, tellement que c'est pourri comme nom. Soit. Voilà. Donc là, c'est. Là, je vais donc renommer mes monstres. Et donc, vous avez vu, j'ai prévu 2 petites cellules et une petite entrée que j'ai un petit peu modifiée. Donc voilà, comment je rentre dans mon colisée. Ça ressemble à ça l'entrée. Je la trouve plutôt pas mal. Je trouve que j'ai bien monté le système, je suis assez fier de moi. Donc voilà, donc ici on va nommer le petit tent. Hop là, j'étais prêt de te placer ici. Bonjour. Et je vais te donner le nom de Micrococus. Donc normalement t'es censé ne plus dépop. Voilà. Et tu vas rester gentiment enfermé dans ta petite cellule. Voilà, et apparemment on voit même pas le nom affiché, donc c'est même pas un souci. J'aurais peut-être même pas dû leur donner un nom spécifique, mais pour leur plaisir de leur donner un petit nom, voilà. Et donc le deuxième c'est toi, je te mets aussi un petit nom, je t'enferme ici, et vous êtes tous les deux dans mes petites cellules en cage dans mon petit musée personnel. Je trouve ça assez sympathique comme système. Donc voilà, j'ai aussi fait le deuxième étage, hein. Enfin, au deuxième étage, il n'y aura rien de spécial. Le seul truc, c'est que j'ai pas mis d'escalier d'en bas pour monter jusqu'ici, pour monter à cet étage. Si je suis obligé de faire le tour, passer par ici, descendre, repasser par la porte qui se trouve ici, et ici, là, il y a 2 voies d'accès. Alors, bien sûr, j'ai pas encore fini toute la structure, j'ai pas encore fait la structure inférieure de mon colisée, mais sinon, en grande partie. En gros, enfin en grande partie, le travail a déjà été réalisé. Je vais continuer, ou peut-être pas, si, non, 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 voilà. Voilà, je vais plutôt m'arrêter maintenant pour mon épisode. Dans mon prochain épisode, je vais faire le reste de mon musée, de mon colisée. Donc je vais encore capturer plus de mobs. Et là, je vous propose, si vous voulez, je peux vous donner votre pseudo à un des monstres présents dans soit. Minecraft Vanilla, je peux mettre des zombies en cage, je peux aussi mettre des monstres de Lycanid comme j'ai fait actuellement, et je peux aussi mettre les monstres de Blood and Magic. Donc dites-moi à quel monstre vous voulez que j'attitre au pseudo, faites-moi un petit commentaire dans cet épisode, et il n'y aura pas de soucis, d'ici le prochain épisode, je vous mettrai le petit monstre avec votre pseudo pour le prochain épisode. Et donc sur ce les amis, je vous dis c'est salut, et à la prochaine, bye, et toi je te capture.